réalité. Celui qui fait de la politique aille, on va libérer ce pays. Parce que l'âme de ce pays est gardée par les grâces au chef d'État à Londres. Si tu es simple politicien, tu ne pourras rien. Je suis un proche pour les gens. Dernièrement, j'ai été à le monde Je suis le chef politico-religieux de Bundiako. La plupart des chants de Bundiako sont des invocations que je leur ai apprises, ils ont chanté simplement. Et comme je suis un mouvement politico-religieux, nous devons commencer par prier. Mais on ne prie pas, ah, bon, on chante seulement. Ce qu'on chante répond à une certaine vérité. Moi, j'ai compris l'âme du peuple. D'accord, l'odeur du carrosse. Écoutez, ça fait un plus l'oxygène égale le CO2. C'est très grave toxique. Je ne sais pas. C'est vous qui m'appelez les moines. Dans le monde spirituel, on m'appelle le général Mapoema aussi. Parce que le général Kabeza Foumou, le commandant en chef de l'armée céleste, alias Sabaoth, a 12 commandos, plus de généraux. Parce qu'il y a 12 constellations du zodiaque. Donc, un général par signe du zodiaque. Et l'un des généraux s'appelle le général Mavoema Kosimo. Attention. Quand vous voyez un petit azo sakana, qui va même sur la semaine, à Zanabakan, dans le Zanabakan, il y a un alikolo, il y a Kimbabu, le Seigneur Jésus, le Sabaoth, le Kabezan Poumou, et vous, moi, d'accord, dans le Zanabakan, il y a un j'ai dit au Poumouli, vous devez mon pays comme un cadavre. National d'Afrique, allons-y. Come on.
Le seul citoyen dans ce pays qui n'a pas de droits, c'est moi. Pour preuve, Jean-Pierre Bemba a fait 10 ans à la prison. C'est un ancien sénateur, il est rentré, on a payé tout son argent. Les 10 ans de paye, on a payé. Ces soldats qui étaient en prison, tous libérés. Tous libérés. Moi, j'ai disparu pendant 2 années. Je n'ai plus touché mon salaire du Parlement alors que j'avais des immunités parlementaires. Mon argent, on ne le payait pas. Mes hommes sont à prison, en dolo. Jean-Pierre Bemba, on a perdu son argent. Neymar, c'est lui. Jean-Pierre Bemba, tu es sorti. Neymar, c'est pas ses hommes. En dolo. Parce qu'en fait, c'est quoi, M. le Frère? On est venu m'attaquer à ma maison. Droit de légitime défense, mes adeptes sont partis pour me protéger. Et ceux qu'ils ont capturés sont en prison en dolo. Alors, droit de légitime défense, je me suis dit, ces gens, je vais leur montrer entre mes nous et ma savoir, entre les dents et les masques, qu'est-ce qui est plus faux? Que moi, j'étais plus faux. J'ai déclenché la musique, Nzika. J'ai tué beaucoup de soleils. Légitime défense. Après 5 semaines de combat, Kanyama a réussi à réunir tous les fétichés de ce pays. Il y a un premier moment, c'est pour lui, il y a tradition, c'est ça, il y a tradition, pour ça, tout bon moyen. Je vous rappelle que les fétichés reçoivent leur pouvoir de génie. Et si, comme on dit, alors ils ont contacté les génies. Nous voulons continuer. Les génies vont dire, mais c'était Walesa. Walesa, quand vous êtes. Vous êtes un esprit. Moi, je suis un esprit. Nous sommes tous des esprits faits pour évoluer. Et quand nous atteignons le degré 999, on vous déclare, Walesa. Jésus, c'était Walesa. Il m'a dit, Walesa. Vous êtes un esprit. Mais moi, c'est Walesa. Alors, les génies vont dire, c'est un Walesa. C'est plutôt nous qui devons veiller. Parce que quand vous devenez un Walesa, Dieu le Père vous donne le pouvoir de commander les anges. Les génies, même les démons. Donc, c'est lui qui doit nous couper. Et quand Niama était scandalisé, alors il a coupé le courant, coupé l'eau. Aucun commerçant ne peut nous vendre à manger. Finalement, j'ai appelé ma femme. Madame, j'ai appris qu'à la prison de Makala, il y a 9000 prisonniers. Il faut qu'on m'arrête, m'envoie à Makala pour être au milieu. Comme ça, le jour où je sortais, je vais sortir avec. Et on m'a arrêté. On m'a conduit avec ma femme à l'inspection de la police. Le jour suivant, nous sommes arrivés au parc. On a rencontré le magistrat Mutombo. Imaginez, moi, dans cette ville, j'étais un député qui a des immunités parlementaires. Même si ma tésorerie, donc vous avez des armes, on aurait pu vous accuser au Parlement. Et là, on aurait formé une commission d'enquête avec des gens d'année qui viendraient fouiller votre maison si on ne trouve pas des armes. Car on dit, c'est simple. Et effectivement, on n'a jamais trouvé les armes. Je suis arrivé en prison. Comme on avait détruit cette maison, cette parcelle que j'avais achetée quand j'étais chef de section bactériologie à l'office de l'eau. Le laboratoire de chimie à l'office de l'eau. Maintenant, mes esprits supérieurs m'ont demandé de construire un Zimbabwe en Zoukoumalo chez moi. Un Zimbabwe, c'est un temple circulaire. Un temple en pierre de forme circulaire. Alors j'ai poursuivi un Zimbabwe. Vous savez, dans un Zimbabwe, vous avez des endroits pour invoquer le soleil, pour invoquer
le génie de la planète Terre. Pour un bouquet, Manizaka, c'est le Seigneur de la planète Jupiter, c'est le messager de Dieu. Pour l'amour. Donc, vous avez des amours. J'ai prévu tout ça. Et Kabila, exerce à ce temps de la matinée. Ils ont dit, n'est-ce pas, c'est bien, je dois prendre, c'est pour moi dans le Bako. Même dans ce village, je dois plus se rendre. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant construire un petit soukoumala, ma miniature, dans ma parcelle. C'est pourquoi j'ai construit tout ça. C'est moi qui ai construit tout ça. Vous voulez être le chef, montrer l'exemple. Parce que la sagesse qu'on voit enceinte, tout pour maman parle, à tout pour maman parle. Applaudissons les actes, n'applaudissons pas les paroles. Excusez-moi. Mon frère était un tigre. Beaucoup de blabla. Il n'a même pas une maison à Kinshasa, à Kabé, à Kouma, et au Kata. Et il veut construire le groupe. Comment? Mais moi, vous voyez ce que j'ai fait? Une très grande parcelle. Quand je trouve une veuve de Bounia, bon, maman, au lieu de Bounia, vous louez une maison, prenez un appartement ici. Vous avez un salon, une cuisine et des chambres à coucher. Mon gars de Golugombo, je lui ai donné un appartement. Son adjoint, un appartement. J'ai donné beaucoup d'appartements. Mais par ce que je fais ici, j'ai donné un exemple. Que si je devenais le président de ce pays, je vais développer ce pays, développer le Kassai, développer le Kivu, développer l'Équateur, partout. Parce que il y a des matières premières stratégiques partout. Mais vous vivez du Congo central, le pétrole de Mwanda, le courant d'Inga, le courant de Zongo, le scandale géologique de Mbamba qui est là. L'argent provient chaque fois qu'il y a un premier ministre qui vient au Parlement. Nous lui demandons de nous donner une liste où il dit la construction de chaque province. La plupart des premiers ministres. Les autres provinces ne produisaient. Ce qui produit le Katanga, la région de Kinshasa et le Bakou. Mais le Katanga, c'est pour faire Katumbi, Kabila, Jeannette Kabila, Joël Kabila. C'est tout. La région de Kinshasa et du Bakongo, c'est de faire fonctionner le gouvernement. Mais dans ce gouvernement, on fait fonctionner Kabila à 80 ministres. C'est que des 40. Le bas pour deux vice-ministres. Vous voyez, moi, c'est injuste. Ça, un Congo ordinaire a accepté ça. Pas un Congo, moi, qui a des attaches dans le monde spirituel. Parce que, mes chers frères, dans le Wakanda, nous avons eu un peu de temps, parce que j'ai une ligne de renseignement. Vous savez, dernièrement, quand on m'a fait la guerre brusquement, j'ai déclenché la dissidence. Mais depuis que j'étais à Louosi, j'ai causé avec certains esprits-là. Invisibles. Ils m'ont dit, désormais, ici, l'indicat est là. Les abeilles aussi sont là. Les abeilles ordinaires, ils vous piquent, vous vous grattez, mais c'est fini. Les abeilles mystiques, ils vous inoculent du poisson, vous mourrez. Donc, je peux tuer 900 000 militaires de Kansas en une heure. Ils sont combien? 1000. 1000, ils ont eu mystiques. Ils piquent, ils meurent. Mais je ne le ferai jamais. Pourquoi? Parce que ces gens vont laisser des veuves qui viennent de pleurer ici. Et des orphelins qui ne veulent pas le faire. Disais-le. C'est un petit partenaire que je peux tuer facilement. Je voudrais que je lui envoie un abeille mystique. Mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Quand je rendais visite à Disais-le, il y en a un fendeur, il y en a un fendeur. Ou là, c'est ma maman, il faut lire le hôtel. Donc, si tu sais qu'il meurt, la chose de ma mère, tu sais souvent, à couper mon bali, à couper mon âne. Il va dire, malheureusement, je ne peux pas le faire. Mais, mes chers frères, ne me provoquez pas. Parce que si j'ai craqué, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ce sera la fin de la République démocratique. J'ai le moyen. Ce sera la fin. Parce que, qu'est-ce que j'ai constaté? Moi et Vidal Kamere, nous sommes formés à l'université de Rouen par les grands professeurs belges. Maintenant, je ne sais pas quelle étude Tshisekedi a fait, je ne sais pas quelle étude Kabila a fait, mais moi et Vidal Kamere, nous sommes formés à l'université de Rouen, dirigé par Monseigneur Gillon, par des grands professeurs belges. Donc, nous sommes bien formés. Alors, ces gens qui disent que, ah, au pays, nous sommes les Kamoubo, tout ça, là-bas, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous avez dit?
Je vais leur montrer entre les maïs et les dattes qui est le plus fort. C'est tout. Mais quand j'étais à Louosi, vous savez que Louosi, c'est le point le plus spiritualisé du Bakoum. Les grands esprits sont venus, ils ont dit, nous vous ajoutons la mystique des abeilles. Nous vous ajoutons la mystique des grands serpents. Ils peuvent mordre tout le monde, ils vont se mettre à fouiller. Nous vous ajoutons. On m'a ajouté beaucoup de choses. Et quand je suis venu en position de guerre, parce que j'ai affaire à des gens qui ne comprennent pas. Moi, j'ai mes doigts, donner mes doigts pour me terminer. Un jour, la femme de Tchégué est partie au Bakoum. J'ai regretté ça. J'ai dit, ah, pardon. Il est au Bakoum, pour que l'on ait un Bakoum. On s'est dit, on a pu le Bakoum. Non, elle est allée au Bakoum. Faire quoi? Elle est allée au Rwanda. Ça n'a jamais été un pays. Sur les Belges qui nous ont mis ensemble, les Bakoum ont leur pays de l'Équateur. C'est les Bakoum du Kassai. Les Bakoum le concentrent. Les Bashi, les Kivu, les Nandi et autres. C'est tout. Ce sont les Belges qui nous ont mis ensemble de force. Et ce que vous ne savez pas, mes chers frères, avant l'indépendance, Kassavou, Zéranou, et Nkassassou dans la Belgique. Donc, vous nous avez séparés. Séparez-nous quand vous nous laissez. Les Belges, Congo, unis, pays fort, pour rester ensemble. Et après 3 semaines de décision, les Belges ont dit, bon, écoutez, trouvez un paradis. Un, on vous laisse ensemble. Est-ce que vous avez... Si vous acceptez, nous allons évoluer. Nous allons évoluer, ça va nous accepter. Vous nous laissez ensemble. Deux, si pendant 10 années d'essai, vous ne vous entendez pas, alors le roi Baudouin viendra faire un référendum de détermination pour séparer le Congo central. Et quand nous sommes arrivés à 1979, c'était déjà 10 années de non-entente. C'est pourquoi mon groupe dit que nous empoisonnons Kassavou, parce que l'année prochaine, c'est 10 années d'essai. Si le roi Baudouin vient qu'il rencontre, il va soulever le problème de 10 années. C'est pourquoi on l'a empoisonné. Alors, Madame Kassavou a téléphoné mon groupe. Président, mon mari est gravement malade. Les médecins que le soir disent qu'ils doivent aller en Suisse pour lui changer tout le sang. Mais je vous demande l'autorisation de libérer mon mari. Mon bout dit, je suis en Allemagne. J'ai laissé l'intérim à Tchégué. Allez le voir. Vous êtes allé voir Tchégué. Mon bain n'a pas pu m'attendre. Sinon, je vais aider ma mindère pour renverser notre régime d'impérial-parti-État. Mais Kassavou a révoqué le Mumba parce que le Mumba a tué 283 Badouba à Bakoum. Les Badouba étant les neveux de Bakoum, et Bakoum. Si les Badouba ne s'occupent pas de lui, c'est la bonne santé. Mais nous ne pouvons pas supporter qu'on aille les tuer. Kassavou révoque le Mumba. C'est pourquoi il a révoqué le Mumba. Mais Kassavou est mort parce qu'un Mumba a été intraitable, insensible à ses feux. C'est tout. Donc, mes chers frères, dites à tous qui peuvent vous entendre. Mon problème, ce sont mes droits. Qu'on respecte mes droits, et moi je vais respecter leurs droits, leurs. Mais on ne respecte pas mes droits. Et ils veulent m'imposer leur position. Pas question. Je vous le dis, ça n'aura pas lieu. Mes droits d'abord. Un, quand on a tué 1000 adeptes par la société Sobo. Le Parlement de Vidal Kamere a décidé que pour avoir utilisé les armes de guerre contre les innocents non armés, le gouvernement va payer 10 millions de dollars aux familles des adeptes de mort. Et on va payer 3 millions à toi-même pour compenser les souffrances morales que tu as subies quand on a tué. On n'a jamais payé cet argent. À l'époque où Vidal Kamere était président, vous pouvez le demander. On n'a jamais payé cet argent. On est venu détruire ma maison par un mensonge qu'il avait des armes. N'oubliez pas, mes chers frères, les petits militaires sont allés magasiner aux États-Majors à se construire des pots d'armes. Mes militaires, mes commandos, vous les voyez, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. Dès que vous attaquez, ils m'informent, je déclenche la mystique, c'est tout. Vous voyez, mes commandos, ils n'ont pas d'armes. Alors, j'ai dit, viens m'appeler. Mais Moudouba Moukaleka, Moudouba les bombes, n'a n'y a pas. Le jour suivant, les abeilles apparaissent. J'ai dormi, ma femme, hé, 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 là-bas, là-bas, là-bas. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bansoui va venir.
parce que quand il est, il y a un peu invisible, il nous parle, mais bon, sinon on ne peut pas aller au coma partout. Je me suis réveillé, je suis venu. Appétit. Oui, bien, vous êtes là dans sa casse, c'est là. Il doit dire que vous êtes là, il y a une personne musica, des serpents, des génies qui peuvent soulever la, des volcans d'eau, des génies de feu qui peuvent provoquer des feux de brousse qui brûlent toute la Californie. Nous pouvons appeler des scorpions. Si vous pique un poisson mystique, si maintenant c'est un jour où il commence à vous piquer, pour rentrer à vos maisons, vous direz, tous les quartiers disent que moi je ne sais pas pour le mal dans les scorpions. Donc je m'éprouve. J'ai les mêmes choses. Ils sont rentrés. C'est de là où se trouve la photo de l'homme. Ils sont rentrés. Donc, monsieur le président, je le répète, qu'on paye mes droits et non plus de problème. Je n'ai même plus besoin de l'argent. Parce que, mes chers frères, quand on a payé mes droits, j'ai déjà acheté 10 terres, des grandes éternes. Je mets tous ces commandos au travail. J'achète 20 tracteurs. Le maïs fait seulement. Le pili-pili, ça fait seulement 3 mois. Pili-pili, 3 mois. Pongo. Oui. Mais. Je suis un chimiste de formation académique. Quand on fabrique des gaz lacrymogènes, on y rajoute du pili-pili. Et tous les laboratoires d'Europe achètent du pili-pili à gogo. Si moi j'ai cultivé à gogo le pili, je vendrai et j'aurai beaucoup d'argent. Je n'aurai plus besoin de miettes du gouvernement. Donc, mes chers frères, je le répète 3 fois, mon problème, qu'on respecte mes droits. Alors moi, je serai prêt à écouter ce qu'ils veulent. Mais m'impose l'injustice. Je paye pas, on paye, chez moi on ne paye pas. Je paye pas, on libère, chez moi on ne libère pas. Chez les Maïmaïs, on paye, on libère, on donne du travail, chez moi non. Mes chers frères, je vous assure que beaucoup de pays d'Europe, les LLS, ont éclaté en plusieurs États indépendants parce que l'injustice fait éclater des États souverains. La justice fait progrès dans l'ensemble. Si vous voulez que contre le Congo, parce que ce sont trop d'injustices. Je ne sais pas pour le Bakongo, c'est pour le Banouba, Bangala. Mais vous avez surtout ouvert. Ils ont volé l'argent du Congo central parce qu'on a développé une justice sur laquelle le gouvernement du Congo central va donner beaucoup d'argent aux tenants du régime pour être gardés. Alors les Mbatio vous donnent des millions. Tous les bâtiments qui ont été gouvernés ont donné. Il les a fait. Tout ce Bakongo, il est Bangala, c'est Bakongo. Des très belles maisons. Donc, la province nous appartient, les très belles maisons ne nous appartiennent pas. Ça, on a fait à tout le Congo. Quand il est un Congo, on a fait que pleurer. Moi, je n'ai pas le droit de pleurer. Moi, j'ai le droit d'accuser. C'est le chef omnipotent. Il y a 3 jours, Moutagimango était paré à 50 matins. Moutagimango, il apparaît comme ça. Il a commis des avant de le voir, il a apparu dans le milieu de ma maison. J'étais suivi avec ma femme. Madame, c'est moi. L'air de la lune est passé. Toi, tu es sorti du soleil, c'est le soleil. Pas au matin, pas au quitta. On ne te vaincra pas. Et tout ça, ce qui dit qu'on ne peut pas comprendre parce que ce sont des hommes charnels. Mais quand Moutagimango m'a dit, ça fait de me faire de la guerre. Mais aujourd'hui, on a voulu me faire la guerre. C'est Olengango qui a arrêté ça. À ça, comme c'était plein de militaires, mais c'était des candidats à mort. Ça fait pas. Parce que je ne les laisserai pas atteindre les. Dès à ça, comme j'apprendrai qu'il commence à monter, j'ai des grands amis civils. La mystique, des abeilles, tout ça, ne sert pas tout. Le samedi, le jeudi, j'ai reçu 3 personnes des morts de la prison. Ils sont venus dans ma maison. Ils pleuraient. Seulement toi, tu peux nous libérer. Qu'est-ce qui se passe? La nuit, les prêtres catholiques se venissent en soutane noire, nous amènent des bananes, ils nous donnent et ils nous enchaînent.
Et il commence à pleurer. Libérez-nous, libérez-nous. Toi, ça m'a fait nous libérer. C'est pourquoi, le samedi, j'ai décidé à poser des tribunaux. Il compris me demander de m'accompagner. J'ai qu'à devant l'hôpital docteur pour parler au monde de ce que j'ai entendu. C'est que vous avez les dégâts qu'on déclarait. Je suis descendu. J'ai entendu ce que vous avez dit. Je suis le général, mais pour m'approcher. Laissez-moi fêter mon adversaire. Après l'adversaire, je viendrai avec des anges guéris qui vont arrêter ces démons catholiques qui vous arrêtent. C'est tout. Et puis, je leur ai dit, je vais construire à côté ici un grand Zimbabwe, un grand plan de forme sociale. Et je vais clôturer la semaine de ce rectangle, vous mettrez une porte. La clé sera gardée par ses prêtres du Zimbabwe. Ne permettons pas que l'église catholique entre dedans. Attendez que je fête mon anniversaire. Ce sera fini, je viendrai. Ils sont pas. Alors je voulais rentrer. Les gens disent, mon conseiller, Kabila, c'est zéro, mon conseiller. Il y a qu'un Karoua. J'ai blagué au président de Karoua. Je rentre chez moi et je viendrai demain. C'était le samedi, demain ou dimanche. Et le service de l'église, il va sortir. Mais moi, j'étais dans ma maison. Je mange, je me fous. Il y a des vous voyez, il y a des migraines, tu vois, ma femme me prépare très bien cette femme-là. Écoutez-moi, j'ai dit à ma femme, les crédits ne correspondent pas ici. Toi, c'est le professeur, moi, le directeur qui ne reçoit pas l'argent. Nous recevons beaucoup de gens qui viennent. Même les Noirs américains viennent apprendre la cuisine africaine. Bon. J'ai informé tout mon passé, les marques, les membres du Nouveau, il a dit. J'ai informé les Noirs américains, ils viendront nombreux apprendre la cuisine africaine. Mais moi, je leur ai dit, attendez, il faut d'abord que je obtienne mes droits, que je construise une maison sophistiquée pour vivre les femmes Noirs américaines qui sont habituées à vivre dans le noir. Après, je vous dirai comment ça va. Comme je l'ai fait, la conférence se résume à ceci. Qu'on paye mes droits et ce sera fini. Moi, je serai maintenant prêt à les écouter. Mais on ne paye pas. D'autant plus que je suis le plus fort. Je suis le plus fort. Qu'on paye mes droits, 13 millions du massacre de Bundiago. Mes 4 Pajero qu'on a détruits. On paye de l'argent. Vous voyez? Mon palais ici n'a plus de porte, n'a plus de fenêtre dans la lumière, on a tout volé. On paye tout ça. Après avoir tout payé, on donne un travail. Ça pourrait être quoi? Administrateur délégué de Donatra, de Hervé Meboma, de Yasnel Inga, de Sauté Péto de Moanda. N'a-t-on pas donné ce poste à des Katangais? On va me laisser travailler. Les maïmaïs sont déjà dans le gouvernement, ils gagnent de l'argent. Moi, rien. On respecte mes droits, alors je deviendrai attentif. Parce que dans la sagesse Congo, on dit que, comme on a Kouma qui l'a ou qui n'a qu'un peine, mais voilà. Sinon, on dirait que vous êtes tous seuls. Si vous poursuivez un fou qui est nu et un soin d'être effectué, tout le monde dirait que vous êtes un fou. Si vous avez que Kabila est une question de fou, moi je vais être détecté. Nous, on va me confondre, j'ai un fou. Et puis, l'Afrique et le monde, on ne va pas le construire par des vengeances, on va le construire par le pardon du cœur. Donc on pardonne, mais on n'oublie pas. On pardonne, et on continue. N'oubliez pas que c'est la mission. De projeter la race noire vers le haut. Les Rwandais aussi sont des Noirs. Il y a naturellement des fous, comme les Tutsis rwandais, des Museveni, des Kagame, naturellement, des génocides, des déterminés à la Cour pénale. Mais soutenus par l'Occident, ils sont là. Moi, je le vois vivoter. Je sais m'appliquer. En tout cas, on perd les droits et ne rappelle rien. Je vais supposer que ceux qui disent qu'ils sont incompétents, je m'en occupe plus. En foutu de la nation, 20 acteurs, maintenant on va revenir à Moussala,
on va promener pour l'argent. Et les miettes du gouvernement, je vous demande. Qu'on paye mes droits. Je suis le seul, la seule personne qui n'a pas de droits dans ce pays. Je n'ai que des devoirs. Je dois respecter l'identité. Et Kabila, Iboli, Kana. Vous savez, on m'a demandé un jour de déclarer que Olive Lembe est du Mouyon. Alors, on venait de 8000 adeptes de Mouyon. J'ai payé. Seigneur, je m'appelle Olive Mouyon. Elle ne peut pas parler à son mari. C'est ce que me dit. Elle n'est pas Mouyon. Si vous n'allez plus. Mais, le régime de Kabila a dit, nous donnons pour vous l'argent à le paquet. Maintenant, c'est que m'a dit à Olenga, oui, vous pouvez demander à Olenga. Mais moi, la semaine, a déclaré que moi, c'est un gars, à sa congolaise, et je vais payer tout ce que lui. Mais lui, il ne dit pas que vous allez vous déclarer votre femme. Lui, il dit seulement quand vous avez détruit une maison avec un jeu de femme. Donc, ça n'a rien à voir. Maintenant, il me demande, moi, il dit que sa femme, c'est. Non, elle n'est pas une congolaise. Preuve. Mais elle est allée au Rwanda. Ou elle n'est pas allée au Ghana. Pas en Centrafrique. Pas en Zambie. Il est allé au Rwanda prendre 2000 orphelins rwandais. On a déposé dans le fort Congo. La politique, c'est laquelle? Les ayants déposés dans le fort Congo, pas pour la Congo, pas pour le Congo, pas pour on nomme un ministre. Tout le monde va dire c'est un Congo, la tête, non? Aux questions des Rwandais. On nomme un ambassadeur. Tout le monde va dire mais quel ambassadeur c'est un Congo? Bon, c'était rwandais. On nomme un gouverneur du Congo central. On va croire que c'était bon. C'était rwandais. C'est ça qu'on a compris. On a pris des jeunes de tout type orphelins. On est allé déposer. Et c'est ça qu'Olive, la femme de Tshisekedi, est allée voir. Elle est allée voir ces orphelins-là. Je crois. Que vous êtes des chasseurs d'informations, que vous êtes des êtres intelligents. Je termine en disant qu'on paye mes droits. Alors je serai maintenant attentif à les écouter. Mais on refuse de payer mes droits. Donc, il y avait la force. Oh, c'est moi qui suis de la force. À ce moment, monsieur, vous voyez, ceci, c'est un grand signe d'initiative pour vous. À ce moment, les Banouba, ils vont fuir les Kinshasa. Sinon, je vous envoie des vipères dans vos maisons. Je vous envoie des abeilles. Vous fuyez les Kinshasa. Et c'est ça, l'indépendance pour vous. C'est tout. J'ai dit qu'on paye mes droits. Mais comment nous sommes en Europe, qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est des francs millions de euros. C'est des gens qui sont des euros. Dès qu'on a libéré le chef, eux sont été libérés. Les miens sont toujours là-bas. Et les miens ont travaillé, c'est pour me défendre. Pourquoi on les garde à nous? Ce ne sont pas des militaires. Puisque vous êtes intelligent, vous êtes très bien. On paye les droits. À ce moment, je le délai à la vie. Un peu pour satisfaire nos besoins. Il y avait le Kouguetta, il y avait ce Touré, il y avait Nasser. Il y avait tout le monde. Kadhafi a pleuré. J'ai voulu être le premier roi africain. C'est pour ça que j'ai cultivé la royauté africaine. J'appelais les gens en Libye. Mais le système a tué. Mais moi, comme vous êtes un ancien pharaon, c'est vous le pharaon Akhenaton. La civilisation égyptienne répandait ainsi toute l'Afrique pour le monde. Et nous, dans le monde, nous disons qu'on va vous chuter. La chanson que vous avez, ils ont chanté ça. Une chanson de Bounoudabo. Mais qui connaissent, ils ont chanté ça. Maintenant, on a choisi un Congolais pour rendre des rois et prêtres d'Afrique. Maintenant, je dois voyager à travers tous les pays africains. J'arrive seulement devant le Parlement avec ma chorale chanter Afrique est notre conseil, l'Afrique c'est la conscience, l'Afrique nouvelle c'est la conscience. Je pars au Gabon, on chante devant le Parlement, je rentre. Par la Centrafrique, on chante devant le Parlement, je rentre. Mais l'exemple bien choisi doit commencer ce soir. Demain, c'est mon anniversaire. Mais, vous sortez mouton, vous vous laissez dans la voiture pendant une heure, ça va m'embêter.
Je vais fêter à Kinas. Pourquoi en Djinn? Parce que pendant 30 ans, plus de la fête de la mort de Moutagimor, il y a un vite qui s'est passé ici. Les gens de Djinn étaient obligés de payer les tickets. Alors j'ai inversé. J'ai dit, cette fois, ce sont les gens également. Ce n'est pas Djinn qui font payer les tickets pour aller en Djinn afin de compenser avec les souffrances des autres. Mais avec les autres boutons, ma fille, j'ai une fille qui s'appelle ma fille, une fille est venue hier à son papa. La sorte de Joana, vous laissez une heure à attendre avant de passer. J'ai une gana et au papa qui est au syndicat, faites ça, mon papa. Et ça, quand il y a un blessé. Moi, je suis quand même bouquet. Tata impose à Kayevot. Moi, je suis un colo, on écoute. Je dis, ma fille, donc, les autres, on dit, on a. Parce que je n'ai jamais vu ça. Je suis toujours allé. Hé, papa, c'est un accompagnement fou. Mais il y a eu lieu aussi pour t'aider. Alors, j'ai décidé, j'ai téléphoné au Lénard, bon, la fête qui s'est passée là. Je lui ai dit une seule chose. À 8 heures, je serai ici. Je prendrai le véhicule jusqu'au palais du peuple. On va chanter. L'hymne de l'Afrique, c'est tout. Et puis je vais rentrer, continuer à faire ici à l'Afrique. Bon. Plus tard, si le Gabon m'invitait, je parle avec ma chorale devant le Parlement Gabon. On chante. Avec la nouvelle Afrique sera construite. Je rentre. Si le Cameroun, je suis prêt à voyager dans toute l'Afrique, chanter cet hymne de l'Afrique. Vous savez que les Gabons, on leur est immune. Chantez un peu au poil et qu'il y a au mafou. Si c'est pas du tout. Écoutez, il est pas du tout. Allez-y! Allez-y! Qui veulent
dire que est-ce que Tshisekedi, est-ce que Kabila n'a pas connu. Sont des gens qui ne veulent pas reconnaître mes doigts. Moi, je ne les reconnais pas. Mais s'ils continuent à pousser les bouchons très loin, ça va éclater. C'est moi qui vais les gagner. Parce que j'ai des moyens qui n'ont pas. Donc, je vais chanter l'hymne d'Afrique et je m'en vais. Je vous laisse entraîner les WAP. Monsieur Wampuna, le vice-président chargé des questions politiques, et Maître Mbango, c'est un avocat. Ce sont les deux. Je vais vous laisser entrer. Chantez l'Afrique. Yeah.
Oh,